aller à Canada Wonderland. Ouais, c'est un parc d'attractions. En fait, juste à côté de Toronto, c'est un grand parc d'attractions. Et ça a l'air beaucoup. Ça a l'air assez sympa. Ça a l'air d'être beaucoup de sensations fortes. Juste, on va arrêter de parler juste pour vous montrer que là, c'est énorme. Ben oui. Il y a une espèce de chien qui fait un concert quand même. Regardez, il fait un concert avec des fontaines. C'est énorme. Derrière, il y a une fausse montagne. Et après, en fait, il y a plein de montagnes russes un peu partout. Bon, alors là, c'est des faux trucs. Donc là-bas, voilà. Là-bas, il y a une grande montagne russe. C'est toujours la même ici. Qui continue ici. Regardez. Ah, mais regarde. Par contre, ils sont pas attachés par le haut. Ah, ça, c'est la loose. Là-bas, il y a une tour. Ça a l'air assez sympa. Ah, ça a l'air bien. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sensations fortes. C'est pas comme nos parcs qu'on en France. C'est ça. C'est beaucoup de roller coasters, ouais, des trucs comme ça. Un peu comme on avait fait à Busch Garden. Alors là, on s'est arrêté au premier, on va commencer par Dragonfire et on pense que c'est un petit, on pense pas que c'est le grand qu'on voit au loin. Ouais, ça a l'air d'être le petit. Donc ouais, on va le faire et on vous en dira des news. Bon. Eh ben, il était pas mal. Ah, il était bien, plein de looping, il allait assez vite. Petit looping, ouais, ouais. Il allait, par contre, ça fait mal à la tronche, un peu de mal. Par contre, il était dur ce moment là. Ouais, c'est vrai qu'il était très ouais, rapide. On n'a pas attendu du tout. Non, on est arrivé, on est monté dedans direct. Ouais, et il y avait un truc qui tenait là comme ça, donc ça va pour moi. Par contre, là, ce qu'on va faire, il y a des trucs comme ça, et on est monté juste comme ça, et moi, vous savez que c'est pas trop. J'ai vraiment. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde. S'il y a trop de monde, on reviendra plus tard. On va voir, mais. On explique. Vous voulez qu'on vous explique notre nouveau délire? Oui, oui, expliquez-nous. Bon, il y a quand même beaucoup de monde, parce qu'en fait, la queue commence ici, elle va là. Elle fait le tour. Hein. Elle va jusqu'au fond, elle revient, elle repasse là, hop, ça fait plusieurs trucs et ça remonte là-bas dedans. Du coup, là, on va essayer d'autres attractions. Et de toute façon, on la fera celle-là, Noémie. Hein. Tu n'y échapperas pas. Et on va voir, je pense, celle-là, la rouge, là, elle a l'air sympa. Ouais. Après, il y a peut-être ça, mais j'ai l'impression qu'il est fermé, celui-là. Je pense pas que ça fonctionne, ouais. Parce que j'en ai pas vu passer un seul. Non. Et de toute façon, ça a l'air complètement nul. Tout de suite. Non, le rouge, il a l'air bien. Parce que j'ai vu tout à l'heure, il monte et après, il repart en arrière. Je n'ai pas du tout été sauvé, je vais faire pire. Bah, allez, on va voir. Bon, du coup, on va faire ça. Et en fait, ça me fait vachement peur, finalement, maintenant qu'on est là. Au début, je me suis dit, oh, ça va, tranquille. En fait, on est debout dans une cage. C'est ça, et en fait, t'es pas attaché. Bon, après, il y a que des enfants. Ouais, mais moi, je suis vraiment de lâchant pour ça. Donc, en fait, il va. Bah, je vais vous montrer, mais il va vraiment se mettre comme ça. Et après, il tourne. Et après, il tourne, ouais, mais c'est horrible en fait. Avec la force centrifuge, en fait, t'es collé contre le mur. Putain, j'ai hyper peur en fait. Mais non, mais il peut rien arriver. T'es debout, t'es pas attaché, zéro nada. C'est horrible. Bon, ça devrait. Il y a vraiment que des enfants. Donc, ça devrait aller, hein. Alors Noémie, tes impressions? Horrible. C'était je bien. Je vais vraiment vous dire que je suis une chochotte, hein. Mais c'était particulier. Je ne contrôle plus en fait. Ah mais c'est ça. Et je faisais. C'était la première fois que je criais ainsi. Ah mais oui, c'est vrai. Avec les cheveux, les cheveux comme ça, et à faire. Quand on était en bas, je me calmais deux secondes en fait. Et quand on était en haut, je faisais. Et ça faisait une drôle d'impression parce qu'arrivé en bas, donc on était collé au siège et après ça remontait et on se décollait et on avait un peu la tête en bas et c'était vraiment. Ouais, c'était vraiment. Vraiment c'est la force centrifuge. On sent bizarre, hein. Ah, un peu, ouais. Quand même. Donc, c'était. Il y avait. Quand même Quand même, hein. Et en plus, il y avait deux gamins à côté de moi, je pense. Je sais pas s'ils avaient autant peur que moi ou alors ils se foutent. Ah non, non, parce qu'eux ils s'amusaient à remonter et à remonter à l'intérieur du mais truc. C'est quoi qu'il y a de la même façon que je pense qu'ils se foutaient de ta gueule. Qu'ils se foutaient un peu de moi. Des gamins de 12 ans. Ouais, mais bon. Quand t'as le vertige, t'as le vertige. Ah, bah oui. Tu peux rien faire, bah je le fais, hein. On va faire la bête sauvage après. Super chouette. Wild Beast, il est là, regardez. Allez. Wild Beast, il est là. Ah, j'ai pleuré, tout a coulé, non? Non, ça va. Non, tu gardes un peu ta dignité là, ça va. Bon, alors là, on est deux grosses burnes. On voulait faire celui-là. En fait, on s'est trompé, on va faire l'autre qui est en bois là-bas. Et il y a plus de monde qui attend ici, j'ai l'impression. Peut-être que tous les gens sont à voir comme nous. Alors en fait, celui-là, il est assez sympa. Il monte comme ça, en reculant, donc il est lâche en marche avant, et donc il fait tous les loopings et tout ça. Et après, arrivé là, tu refais tout en marche arrière. Il s'arrête en haut, et il repart en marche arrière, et on refait tout en marche arrière. Mais on est tenu là, donc ça va. Ouais, celui-là, ça devrait aller. Ouais. Et l'autre là, là-bas, on dirait un peu le train de la mine, en fait. C'est un truc... Non, mais c'est genre le train de la mine tout en bois, le bois qui craque et tout. Ah, j'aime bien. Ouh, ça a l'air sympa. Craque, bah, le bois qui craque, t'as l'impression que ça va s'effondrer, si t'es pas. C'est super. C'est génial. Regardez, ils sont en train de l'étirer. Ça, j'aime pas par contre, ça. Parce que ça va trop doucement.
Quand ça monte, mais c'est en fait c'est le pire moment, c'est quand tu te fais monter jusqu'en haut. Là vaut mieux être tout devant. Hein. Là ouais. Ouais, mais après, après de toute façon après t'es en marche arrière donc tu verras rien. Mieux au milieu pour les gens comme moi. C'est ça. Mais devant tu t'éclates. Bah devant c'est génial. Il a l'air bien. Par contre, je suis dégoûté d'avoir cassé la GoPro hier, quoi. Eh ouais, t'as envie de casser la GoPro. Enfin, pas la GoPro, mais la poignée de la GoPro. Du coup, on a rien pour la tenir. Par contre, je suis un peu déçu parce que, enfin, je suis un peu colère parce que cette poignée, normalement, c'est censé être bien plus solide que ça. Elle est tombée vraiment de cette hauteur-là, quoi. C'est-à-dire à 1 mètre de haut, elle m'est tombée de la main. Là, elle est tombée donc sur la GoPro et la poignée s'est cassée net. Et c'est une poignée GoPro à 40 euros quand même. C'était super cher, ouais, je suis pas donc franchement c'est net parce qu'en plus c'est un jour avant de faire l'attraction. Et c'est ça. On n'a pas eu le temps ce matin, on n'a pas eu le temps. Et là, juste tenir la GoPro comme ça dans la main, non, on sait jamais quoi, c'est juste bon à la perdre. Et juste un truc, prenez des casquettes que vous mettez dans le sac à dos dès que vous faites une attraction, prenez de la crème solaire, on a tout oublié. Parce que là, la tente à chaque fois c'est en plein soleil et il fait chaud quand même. Il fait très chaud, hein. Et ouais, il fait 25, 27 degrés, je crois. Là, au soleil, il doit faire 28 degrés, 29 degrés. C'est ça. On va à tout rose, hein, sans être allé à la plage. Ouais, exactement, tout rose, mais rose et crevisse, quoi. Bon, eh bien, ce fut toute une histoire. Ah ouais, impressionnant. On a attendu, moi j'ai déjà mangé. C'est plus de temps attendre le sandwich qu'à faire les attractions. C'est ça, oui, mais vraiment, on a vraiment attendu 1000 ans. D'abord, on est allé chez Subway. C'est ça, on a attendu une demi-heure, voilà. Et ici, c'est des endroits où vous mettez comme vous voulez et vous achetez où vous voulez. Donc ça, c'est génial. Mais du coup, ça va, on a attendu 1000 ans. J'ai eu mon sandwich, il était presque froid, donc j'ai dû le manger. Et Tanguy, il a attendu plus d'une demi-heure, il est froid. J'ai l'impression que la viande, c'est la même qu'hier. C'est pas, Il est chaud. Ouais, c'est chaud. Ah. Et bah, en fait, en tout, ça fait une heure qu'on attend. Moi, j'ai pris chez Subway, du coup, j'ai déjà mangé mon sandwich. Et j'ai pris 2 cookies parce que ça faisait partie du menu avec la bouteille d'eau. Mais c'est dégueulasse, ça se voit. On va arrêter les burgers ici. Hein. Mais t'aurais dû aller chez Subway, tu te fais mis des légumes et tout. Tu m'écoutes jamais? Voilà! C'est pas de la viande de bœuf, c'est de la viande au bœuf. Mais ouais. C'est vraiment pas bon en fait. Bon, ça se voit que c'est un peu. Ouais. Bah, ton steak, ça se voit quoi. On a même temps de manger du plastique. Hein. Par contre, tes frites, je pense qu'elles sont bonnes, non? Les frites sont bonnes, Mais ouais, ça se voit. Bon, bah voilà, du coup, on mange pas ensemble quoi. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Il n'y avait pas tant de monde que ça, donc on s'est dit. Mais non! En 5 minutes, hop, on pourra manger ensemble. Mais en fait, c'est pas ça. Je sais pas, ouais. Oui, c'était un peu gland. Il y avait 5 personnes, on a attendu. Ils se mettaient tous au milieu, ils se regardaient, ils n'y arrivaient ça, pas. La fille, elle faisait 5 plateaux en même temps, et puis après, elle était perdue, elle demandait au sort. Mais c'est bizarre parce qu'il y avait très peu de choix au burger, là, il y a genre 3 choix. Et tout était prêt. Ouais. Donc bon, je sais pas trop ce qui s'est passé là, mais pour le Subway, regarde, c'est pareil, hein. On a attendu longtemps. Mais bon, du coup, voilà. Bonne affection, l'amour. Merci. Moi, je te regarde. Bon, on vient de finir de manger. Faut que j'arrête de commencer mes phrases par bon. Eh ouais, mais c'est pas évident de faire. Non. Après, je les coupe au montage, les bons. Eh oui, c'est ça. Pas tout le temps, j'en laisse quelques-uns quand même. Oui, quand même, pour faire transition. Voilà. Du coup, faut on voulait. Qu'on vous raconte. Oui, faut qu'on vous raconte un truc. Faut qu'on leur dise, et c'est pour les deux attractions qu'on vient de faire. Ouais, bah, les deux attractions qu'on vient de faire, c'était très bien. Ah ouais. Le genre de train de la mine en bois, super. Il bien. Était vachement bien en fait. Il faisait peur. Ouais. Et il était très grand en fait. Oui. J'avais pas l'impression que ce soit si grand. Et pourtant, après, si. L'autre où tu vas en avant, en arrière, il était sympa aussi. Oh, il faisait peur, un truc de malade. Hein. J'ai hurlé. Et par contre, très court. Parce que bon, c'est trop court. Train de la mine plus long. Ouais. Mais très bien. Il n'y a pas une attraction qui nous a déçu. Et du coup? Et du coup, il fallait qu'on vous raconte notre nouveau délire de En fait, c'est ça. On a été au truc de burger pour manger. Et le mec, il n'avait pas ramené de verre. Et il a dit, oh, bah, je vais vous ramener un verre, ça sera mieux pour boire. Et du coup, moi, j'ai rigolé. Mais t'as rigolé en faisant des caisses quand même. J'ai pas l'impression. C'était pas très drôle ce qu'il disait. Non, mais bon. C'est pour être agréable. Mieux parce que t'as pas de nerf. Voilà. Et oui, voilà. Moment, bon, des fois on rigole. C'est pas marrant. Et Noémie, elle s'est foutue de ma gueule parce que j'ai rigolé. Et du coup, puis, à chaque fois qu'il y a un truc pas marrant, on fait. L'important, c'est avec la bouche comme ça. Oui. La main quand même, main, c'est trop drôle, moi ça me fait trop rire. Faire semblant de rigoler. Non mais moi ça me fait tellement rire, c'est un truc de dingue. Ah bah oui, depuis je me régale. Mais c'est parce que en fait je me foutais de toi, je crois. Bah oui. C'est parce que parce que tu te foutais. Ah oui, il me semble bien. Noémie se fout tout le temps de moi. Ah oh, arrête. Regardez comme je suis malheureux.
Du coup, on s'éclate dès qu'on voit même une porte. On fait mou. Il faut avoir un truc marrant. Non, pas forcément. Non, un truc pas marrant, vous allez faire. Ouais, voilà. Vous avez compris ? Je suis pas sûre. Hein. Donc voilà, c'était notre délire de Châteauroux. C'est ça. Maintenant, on va faire le Léviathan. Oui, ah bah moi, je suis pas ravie. Hein. Et on va voir s'il y a beaucoup d'attentes ou pas. Si on vient de manger, on va peut-être vomir partout sur le champ. Arrête, t'imagines ? Moi, je pense que ça doit arriver qu'il y en ait qui vomissent. Hein. J'ai jamais vu ça, mais c'est possible. Ah bah si, c'est sûr. Hein. C'est ça, t'es un peu malade, un looping, tous les gens derrière. Oh ah bah tout le monde vomit aussi. Moi, je t'ai craché dessus, tout le monde vomit aussi là. Hein. C'est sûr. On va pas chercher les toilettes d'abord ? Ouais, on peut. Ouais, allez, parti. Bon, il y a toujours autant de monde pour le Léviathan. J'ai eu peur, je crois que j'avais perdu. Du coup, on ira plus tard. Ouais, Noémie a eu peur. J'ai eu peur, tu avais perdu ton porte-malheur ? Ouais, non, mais en fait, vous m'avez expliqué que c'était pour éloigner. Mais moi, ça, franchement, du coup, je pense que ça porte malheur. Eh ouais, allez, on continue. On va aller au coin des enfants. Il y a un truc, il est super chelou celui-là. On dirait des petits vaisseaux spatiaux. Mais oui, mais c'est un truc d'eau en plus. Ouais, mais je crois que ça s'appelle Spaceship ou un truc comme ça. Donc c'est ça. On dirait qu'il est genre pour les enfants. Mais oui. Mais il a l'air grand. On vient de faire le train, c'est le train de la mine en fait. Il passe dans le volcan. Chou-chou, j'ai envie de dire quoi. Le mec il faisait chou-chou, mais il avait zéro ambition. C'est ça. Le mec il faisait chou-chou et en même temps il faisait coucou. Mais vraiment blasé. On aurait dit qu'on l'obligeait à faire ça quoi. Ah bah oui. Ah bah oui. Juste l'entrée c'est où ? Je ne sais pas. Je pense que c'est là. Ah non, là c'est la sortie. Ouh, c'est là. Ouh, le monde qu'il y a. Il y a trop de monde, ouais. On s'est arrêté de faire. Parce qu'en fait, on fait une vidéo, mais sur plusieurs jours. En fait, c'est un lookbook back to school. On est en plein milieu. C'est un lookbook back to school. Ici, les gens, ils ont pas trop l'habitude de voir des gens filmer. Bah ouais. C'est un lookbook back to school. Et du coup, c'est pour ça que je suis toujours habillée un peu comme pour aller à l'école. Et du coup, ça fait deux jours que j'ai très chaud. Mais YouTube d'abord. Mais je crève de chaud quand même. Et on a fait des photos et tout, pareil pour les miniatures. Et bah, du coup, voilà, on a déjà fait pour aujourd'hui, on a fait hier. On va faire ça tous les jours jusqu'à samedi en fait. Ouais. On va se trouver un truc à faire. Allez. Bon, on vient de faire cette attraction là en fait. Mais ouais, c'est assez sympa. Le problème c'est que les trucs qui tiennent sur les épaules sont vachement serrés. Fait que moi j'étais comme ça et j'avais mes bras, ils faisaient comme ça et j'arrivais pas, il fallait fermer la ceinture devant en fait. Et j'avais les deux mains comme ça, je faisais j'arrivais pas à toucher la ceinture. Mais moi je pouvais pas l'aider parce que moi aussi j'étais. Et c'est ça, on était tous les deux comme ça. Et le mec il est venu. Le mec il est venu, il s'est foutu de ma gueule, il arrive, il a fait oh, et hop il m'a mis. Mais je sais pas pourquoi, moi j'étais moins pensée que toi. Je pense que je prenais trop de place. Je pense que tu prenais trop de place. Ouais. Parce que moi je voulais absolument te faire comme ça parce qu'il y a que moi qui compte là-dedans. Ah bah oui, on te connaît. Attends, Noémie first. Mais grave. Et la fille à côté était un peu bloquée comme toi et moi non. Ouais. Moi j'étais bloquée, moi, je pense aller jusqu'à Tanguy, mais moi j'ai pu faire ma ceinture. Ouais, mais moi j'avais les bras trop longs. Du coup j'étais comme ça bloqué au fond et je pouvais pas avancer plus que ça, sauf que la ceinture était ici. Donc, voilà. Bon, et maintenant on va faire le truc de l'espace, la vortex. On fait la queue dehors. Et on fait la queue avant que ça commence. Regardez, la queue commence là-bas et après il y a tout ça et tout. C'est un peu la merde. Ouais. On a découvert une bestiole. un animal étrange. Mais c'est bizarre. Il rase mat un peu. Ouais, c'est ça. Il est tout. On dirait qu'il a sauté et qu'il s'est aplati par terre. Je crois qu'il se sent pas bien. Va lui demander. Est-ce que tu te sens pas bien ? Non, ça va, je suis en train de grignoter de l'herbe, je vais très bien. J'aimerais vraiment le voir de plus près. Hein. C'est louche, c'est quoi comme bestiole ? On dirait un écureuil mutant. Oh, qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu quelque chose. Je crois qu'il y a un manège au-dessus de moi. Oh mon dieu, on m'observe, on se fout de ma gueule. Bon, ça va, je continue à manger. Dites-nous si vous êtes du cas. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il. On dirait qu'il rampe en fait. Mais oui, ouais, c'est ça. Il rampe et qu'il veut pas marcher mais qu'il veut ramper. Ah, mais vous le voyez plus là. Attends, mais dites-nous, je veux trop savoir. Ah, mais carrément, dites-nous moi, ce que c'est. Moi, je l'appellerais Razmot si j'étais. Razmot ? Ouais. Bon, du coup, on va continuer. Ouais. On va s'en aller. En fait, là, partout, tout là, ça fait un genre de parc aquatique. Donc, on ne fera pas, bien évidemment, parce qu'on n'a pas pris nos maillots. Non, mais non, il n'y a pas accès, on peut payer. Je sais pas s'il faut payer plus, hein. Je crois pas. Ah, ouais ? Je crois que c'est gratuit. Hein. Ah, c'est pas vrai. Ah, si, si, si. Je vais on peut venir demain, on a deux jours d'accès au parc. Oui, exactement, mais on viendra pas demain, on va visiter Toronto. C'est dommage de passer deux jours dans c'est un ça. Parc. Nous, on l'a pris, on l'avait pas pris sur internet parce qu'on attendait le dernier moment au cas où. Et là, on a payé à deux 150 dollars canadiens. Attention, les dollars canadiens n'ont rien à voir avec les dollars américains. En gros, ça fait un peu moins de 100 euros. Ouais. Donc ça fait 50 euros l'entrée au parc pour deux jours. C'est une différence. Ouais. C'est. Il y a 30% de moins. Même plus que ça. Peut-être 30%. Peut-être que le dollar américain aussi en ce moment. C'est pas la folie. Le dollar canadien est
beaucoup plus intéressant que le dollar américain. Parce que je crois que les Canadiens achètent plus trop aux États-Unis en ce moment. Enfin, on sait pas, on n'est pas Canadiens. Non, mais il me semble, si, il me semble. Comme moi, je regarde beaucoup les montagnes canadiennes, j'adore, enfin, des Québécoises. Bon, bref, on continue. C'est ça. On va faire d'autres montagnes russes. Le dernier truc qu'on a fait, il est. Moi, je voudrais faire ça. Noémie, elle veut pas. Tu relâches là. Ça a l'air génial. Bien sûr, mais si tu le fais, je vais. J'ai l'impression qu'on piétine mon cœur. On va voir s'il y a du monde. Non, Tanguy, je veux pas que tu fasses ça, j'ai peur. Tanguy, son rêve, c'est de faire le saut à l'élastique. Et moi, c'est mon pire cauchemar. Ça, c'est un peu le même délire, en mieux. T'imagines un peu? Je suis un peu plus responsable, tu vas pas te le faire. Bon, allez, on va continuer notre périple. Je voulais. Tanguy m'a coupé la chic à fond. Ah, bah oui, moi je voulais suis dit, vous c'est dire. Bon, mais attends, Tanguy, on voit pas. Ah, tu veux qu'on te voit toi? Non, toi. Ah, ben non, oh, on te verra toi. Mais attends, j'ai pas du chocolat partout parce que derrière j'ai demandé à Tanguy, je suis allée aux toilettes, j'avais du chocolat partout. Parce que j'ai mangé une glace à l'Oreo. Oui, je voulais vous dire le truc avec les avions là, genre, c'était absolument nul. Mais ça, nul. Non, ça faisait mal. T'avais mal partout. C'est là-dedans. Ça. Parce qu'il était bien, il va vite et tout, mais ça faisait très mal. Ouais. Il y a un monde Tanguy là. Oh là, il y a un Tanguy fou. Moi je recommande pas du tout le manège d'avant, il faisait vraiment juste mal à la nuque, en fait il est assez ancien comparé aux autres je crois. Et 91, les autres sont pas plus récents. Ça dépend, mais celui-là ouais. Donc, et en fait c'était vraiment par à coup, et vu que ça va très vite et par à coup ça fait mal. Il y avait pas vraiment de fortes sensations. C'est hein. Ça. Et ouais bon bref, et ce soir on aura une grande annonce, mais genre vraiment deux grandes annonces à vous faire. Ce soir, on attendait tranquille à la maison, c'est quoi ça encore? C'est un truc bizarre, encore un truc qui tourne. Ah non, mais moi je veux pas ça. Regardez-moi ça. C'est la même chose, ouais. Avec des cages. Donc ouais, ce soir on vous annoncera quelque chose, genre vraiment deux trucs. Je comptais vous dire séparément, mais autant tout vous dire en même temps. Oh oui. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je sais ce que vous allez faire là, vous êtes des coquins, vous allez aller à la fin de la vidéo. Mais vraiment, on va vous dire quelque chose d'important pour nous. Bah ouais. Et voilà, à tout à l'heure. Là on va tenter un truc, ça a l'air super bizarre. Ah, j'ai trop peur. C'est en fait les gens sont allongés à l'intérieur de celui-là. Alors, regardez, vous passez dans le... Ça fait ça, regardez là. Attends, mais c'est bien sécurisé. Ah bah oui, t'es dans une cage allongée. On va voir. Attends, ça, j'ai jamais vu un truc non, comme ça, c'est super peur. Chelou. Ah, il était pas sympa. Hein. Ah, il était pas sympa avec nous celui-là. Non mais parce qu'en fait... En fait, on se cogne de partout. Ah, là, on a la tête qui tape de partout quand c'est comme ça. Mais de visu, on dirait qu'il va pas très vite. Mais en fait il va extrêmement pas. Vite. Ah, oui, mais en fait, tu sens pas... Tu sens pas le truc derrière toi, la grille derrière toi. Du coup, quand tu te retournes, tu tapes un peu. C'est ça, tu te relèves. Tu vas mourir du coup. Non. Enfin, vraiment, oui, hein. Et moi, vu que j'ai des grandes oreilles, elles ont tapé partout. J'avais mal aux oreilles à la fin. T'en as entendu que moi. Ouais. Noémie, on était même pas arrivé en haut, elle hurlait déjà. Putain, par contre, à la fin, tu criais plus. Hein. Et justement, c'est le problème. Hein, je me suis dit, ça y est, elle y est passée. Si, presque à la fin, je t'ai dit, je te déteste. Si. Il faisait peur un peu, il est impressionnant. Maintenant on va faire celui d'à côté là, le gris. Putain, j'en peux plus. Hein. Il a l'air bien celui-là. Celui-là il a les pieds dans le vide. Ah ouais, mais t'es bien attaché donc ça va. Ouais, celui-là ça va. Finalement en fait mais t'es pas du tout attaché, non. Tu te sens pas attaché, tu te sens pas protégé, tu te sens pas. En fait t'es dans ta. Parce que tu te retournes comme ça. Hey, en fait t'es dans ta grille et tu fais comme ça dans la grille. Ouais. Quoi. C'est pas agréable du tout, mais il est vachement bien parce que moi j'en ai jamais vu des comme ça. Ah non, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Mais par contre je le referai pas quoi. Ah non, c'est une fois mais pas deux. Ah ouais. Je te l'avais dit. Hein. Ouais. Tu t'inquiètes, t'as besoin d'être attaché. Non, excuse-moi, Tanguy. On dirait qu'on est presque habillés pareil. Ah ouais. C'est fou. Trop cool. Bon, on a pris alors décision de rentrer à la maison. On commence à être épuisé. Ça fait 8 heures qu'on fait des balades quand même. C'est énorme, ce parc d'attractions, il est vraiment énorme. Vous en avez vraiment pour votre argent. J'ai jamais vu autant d'attractions vraiment dans un parc. Et il y a des trucs que vous payez une fortune dans d'autres parcs. Genre la boule qui t'envoie comme ça. Le truc, enfin il n'y a pas la boule autour. Les deux mecs, c'est pareil. Bam, 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 avec les élastiques là. Ouais. Il y a des trucs de malade, franchement, ce parc il vaut vraiment, vraiment des tours. Je regrette pas du tout, on regrette pas d'y avoir mis notre argent. Hein. Ah non, mais carrément. Et par contre, au bout de 8 heures de ménage. Bah, en fait, c'est mal à la tête. Ça tape dans ta tête, un truc de mal. J'ai jamais eu une migraine, pourtant, moi je suis migraineuse. Mais alors là, la migraine. Oh. Surtout qu'ils sont violents quoi. Ouais, ils c'est sont ça. Vraiment intenses, mais vraiment super bien quoi. Il y en a qui mériteraient un peu de. D'être rénovés, mais parce qu'ils sont un peu vieux, c'est pour ouais. ça. Mais sinon, vraiment super. Ah, génial. Et en plus, il y a très peu d'attente à chaque fois. Le maximum qu'on a attendu, je crois que c'est une demi-heure. Ouais, voilà, ouais, une demi-heure, franchement, c'est grand max. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'attente, ça se fait bien. Le seul moment où c'est un peu. C'est quand vous êtes soit en plein soleil, donc là c'est un peu long.
C'est vrai que pour ça c'est un peu con parce qu'il y a beaucoup de parties qui sont vraiment en plein soleil. Ça c'est dommage. Quand on reste 10 minutes comme ça, surtout aujourd'hui il fait chaud, c'est un peu dur de bon. C'est ça, parce que 10 minutes à Londres tu t'en fous complètement, mais 10 minutes en plein cagnard ça tape vraiment quand il a des coups de soleil dans ouais, prévoyez si vous venez, prenez une casquette et la crème solaire pour aller à boire aussi. Exactement, et franchement c'est vraiment j'ai 8 heures d'attraction mais à sensation forte quoi. C'est un truc de ouf, hein. Cette attraction est géniale. Oh oui. C'est une d'entre vous qui nous l'a recommandé en plus de base. C'est vrai. Et quand j'ai regardé sur internet, j'ai vu qu'il y avait plein de roller coasters comme ça. Et ils font peur, hein. Ils font vraiment peur. Moi, je suis vraiment une flippée des trucs comme ça. J'adore me faire peur, donc j'y vais, mais ils font peur, hein. Ouais, ouais. Et ils font tous flipper quand même. Hein. Non, c'est clair. Il n'y a que le train de la mine qui m'a pas fait flipper. Ouais, mais il était un peu tout pourri. Il était un peu tout pourri, celui-là, c'est vrai. Mais il était marrant. Là, il était pour les enfants. Parce qu'il était un peu dans le noir. Ouais, à des ça moments. Passait dans des tunnels. C'était pas mal. Donc là on va rentrer. Je sais pas, je pense qu'on va s'arrêter dans une grande surface pour s'acheter à manger. Je pense hein. Ouais c'est pas mal de s'acheter à manger pour le soir. Pour le soir ouais. Pas manger des trucs comme ça, matin, midi, soir quoi. Donc ah oui et le petit déjeuner, on vous l'a pas filmé ce matin. Enfin, je me suis pété un ongle, alors celui-là il gratte plus rien du tout. Et du coup on vous l'a pas remontré ce matin parce qu'on a mangé la même chose, on va manger la même chose tous les matins. Et non il y avait un petit muffin pas gros citron. Ah ouais, il y avait un muffin pas mal, en plus. Ouais. Et donc on rentre, on va s'acheter des trucs pour manger et ensuite on vous annonce les deux grandes nouvelles en rentrant. Est une arnaque. Oh oui, on a un peu déconné. Hein. Ouais, on était fatigués hier. Ça nous semblait important de prendre le temps de vous parler et pas vous parler fatigué parce qu'on a à vous dire. Donc alors. Alors en fait, on est vraiment immonde parce qu'on vous a dit tout le long qu'on allait vous annoncer deux bonnes nouvelles. Et en fait, on va vous en annoncer qu'une parce qu'on s'est rendu compte que l'une d'entre elles, il y a plein de gens de notre entourage qui sont pas au courant. C'est ça. Et ça, on peut pas le dire sur YouTube tant qu'on n'a pas prévenu nos proches. C'est vrai que ça ferait un peu bizarre. Tu vois, on regarde une vidéo. Ah oh bah tiens, ils vont faire ça. Les petits salons, c'est clair. Ils nous ont rien dit. Ouais, surtout que là, vraiment... Vraiment, il y a quasiment personne qui est au courant de ça. Donc, on va juste vous annoncer une des choses qu'on a à vous annoncer. Et malheureusement, c'est pas la plus... C'est palpitant. Mais l'autre réuni, c'était palpitant à fond, quoi. Donc, c'est Tanguy qui... Ça concerne Tanguy. Eh oui. Parce que, en fait, du coup, j'ai donné ma démission. Ouais. Là, actuellement, je travaillais donc, du coup, dans un bureau d'études. Et donc j'étais à mi-temps depuis janvier et je me suis rendu compte qu'en fait que j'arrivais pas du tout à associer les deux et encore plus d'être à mi-temps parce que j'arrivais pas à me mettre à fond avec Noémie dans YouTube et à fond dans mon boulot parce qu'au boulot j'y suis 2 ou 3 jours par semaine, ouais. En plus on voyage beaucoup grâce à YouTube, du coup j'arrivais plus du tout à associer les deux et je me suis dit ben, je préfère arrêter mon boulot, me mettre à fond avec Noémie et en plus on a des nouveaux projets et, ouais, et c'est pour ça aussi qui ont fait que on va avoir besoin de beaucoup plus de temps et donc je pourrais pas continuer à travailler à côté. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas arrêter mon travail, de toute façon on est encore jeune, on n'a pas d'enfant. Donc voilà, en fait on a pris cette décision au Japon. Moi ça faisait longtemps que je demandais à Tanguy, voilà, est-ce que tu veux pas travailler avec moi parce que moi il y a un moment donné où je suis fatiguée, quoi, j'arrive plus à suivre, on a 2 gros projets qui arrivent là, enfin un très gros projet, un projet de vie, enfin qui vont nous prendre encore plus de temps. Et je sais que beaucoup de gens se rendent pas compte le temps que prend YouTube et aussi beaucoup maintenant. Je pense que c'est vraiment 50-50 des gens qui se rendent pas compte et des gens qui se rendent compte vraiment du boulot que c'est. Et on n'a pas encore d'enfants, on a l'opportunité de faire plein de choses. Et tant qu'on n'a pas d'enfant, on aimerait les faire maintenant. Tanguy va travailler en étant complètement crevé, autant avec moi, autant à son boulot dans le bureau. Donc il y a un moment donné où c'était plus possible. Donc ça faisait franchement plusieurs mois, voire même un an que je demandais à Tanguy s'il voulait pas travailler avec moi. Et j'avais fini par jeter l'éponge parce que voilà, Tanguy, il a mis du temps Finalement, t'as mis du temps à te dire, eh ben en fait... En fait, c'est d'être à mi-temps qui m'a ouvert les yeux. Ouais, voilà. Je me suis rendu compte que, en fait, vu que je travaille encore plus avec toi qu'au travail,
et que je vais au travail, et finalement, vu que j'y suis vraiment que deux jours par semaine, j'ai pas le temps de mettre à fond dans ce que je fais. Quoi. Ouais. Donc, puis tu t'éclates tellement sur YouTube. Bah, c'est ça. Tu peux créer tellement de choses, c'est un métier de création. C'est ça, on fait tellement de trucs de fou, quoi, que ouais. Je me dis, c'est autant ça. Faire ça à fond et le faire pleinement. Quoi. Ouais. Surtout en plus maintenant avec la chaîne de vlog, où vraiment on est bien plus assidu qu'avant. Ouais, et c'est aussi beaucoup de vlogs, mon 50% qui m'a permis de faire ça. Ouais. Oui, sinon, parce que gérer les deux chaînes, c'est impossible. Non mais voilà, c'est ça, la deuxième chaîne, elle aurait été encore à l'abandon. Elle aurait été toujours à l'abandon si Tanguy n'était pas à 50% avec moi. Et j'avais vraiment, je lui proposais et finalement c'est Tanguy du jour au lendemain, il m'a dit oh bah finalement c'est au Japon hein. C'est ça. Mais écoute, finalement j'ai envie de démissionner et de venir travailler avec toi. J'étais sur là, le cul là Noémie. Qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, ça faisait vraiment un moment que j'en avais envie et du coup je suis super contente. Et il fallait que ça vienne de Tanguy, hein. Moi c'est pas moi qui vais prendre la décision pour Tanguy, certainement pas. Donc tu peux arrêter de toucher à son orteil. Il est juste en bonne distance pour poser ma main dessus. Ça me perturbe. Donc voilà, une des choses, en fait on vous l'a toujours pas annoncé parce que Tanguy au mois de septembre là il est en vacances, hein. Vraiment oui. On comptait vous l'annoncer une fois qu'il était prêt. Je suis en préavis en fait là. Voilà, il est en préavis, donc au mois de septembre il travaille encore deux jours par semaine pendant 4 semaines. C'est ça, jusqu'à fin septembre en fait. Voilà, jusqu'à fin septembre. Ce qui nous retarde un peu dans un de nos projets qu'on comptait commencer en septembre. Donc tout ça commencera en octobre. Mais on a deux très grosses nouvelles à vous annoncer. L'une qui va un peu changer notre vie. Et l'autre qui va nous prendre beaucoup de temps. C'est ça. Et les deux vont nous prendre beaucoup de temps. Les deux vont nous prendre beaucoup de temps, ouais. Mais c'est vrai que c'est... honnêtement, là, cette année, c'est une nouvelle vie pour nous. Parce que c'est des trucs énormes, quoi. Et donc, on vous en parlera quand on sera rentré en France et qu'on aura annoncé tout ça à nos proches. Parce que sinon, c'est vraiment immonde. Et j'en serais voulu si on avait fait ah, ça. Ah, bah oui. Mais c'est des décisions. Il y en a une qui s'est prise il y a quelques mois. Une décision qui s'est prise à 4h du matin en rentrant d'Hawaï. Donc c'était vraiment radical, surtout que c'est une décision qui va tout changer pour nous, donc on est un peu zinzin les mecs quoi. Ouais, mais c'est zinzin, pas grave, il faut tenter des choses. Non, ça se dit pas, mais au contraire, il faut passer vite à autre chose, on ne remarque pas. C'est clair. Donc voilà, désolé pour la longueur de cette vidéo, elle va durer plus d'une demi-heure, mais c'était très important pour nous qu'on vous en parle, qu'on vous dise ce qui se passe, et on espère que vous comprenez. Et sachez qu'on a la tête sur les épaules et qu'on sait où on va. Donc on fait pas ça, c'est une décision que Tanguy a prise. Ça fait longtemps qu'on y réfléchit. Ouais, plus d'un an finalement. C'est ça. Donc voilà, en tout cas on espère que ce vlog vous aura plu, on va clôturer là-dessus. Désolée pour la deuxième nouvelle, là franchement vous devez être là genre... C'est une blague. Moi ça m'énerve ça. Hein. Oh oui, non mais bientôt, rêve. Bientôt. Oui voilà, allez, d'ici 3 semaines grand max, je pense qu'on vous l'aura annoncé parce qu'on sera dans le feu de l'action. Dès qu'on sera retourné en France en fait. Voilà, dès qu'on sera retourné en France, on sera tellement dans le rush et dans le feu de l'action du truc qu'on n'aura juste pas le choix de toute façon de vous le dire parce que vous verrez tout en vlog. Et ben voilà. Là mais on va ouvrir l'autre vlog. C'est ça. Et on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Bisous. Top, that is where I belong. To that top. And I won't stop till it's embedded in stone. Yeah, yeah, yeah.